par ça. Et ben parce que Gurkif, à la fin du match, il dit quoi? J'ai eu l'impression d'affronter le Barça ce soir. Et ben non! C'était le DFCO, mon gars! Et oui! Qu'est-ce qu'on a bien joué! Qu'est-ce que c'était bandant! Putain, je suis désolé, les gars. C'était magnifique. Et pourtant, quand je suis arrivé au stade, trois quarts d'heure du coup d'envoi, que j'ai vu les tribunes parsemées de gens, je me suis dit, mais putain, il va y avoir personne ce soir, ça va être mort. Et finalement, les gens qui étaient là au stade ce soir avaient envie que leur équipe gagne, avaient leur envie que leur équipe règne ces trois points, qu'on sorte de la zone de relégation. Aujourd'hui, nous sommes 13e. On va pas s'enflammer, hein, mais on est 13e. On s'est donné un peu d'air et ça fait du bien. Et le match a commencé de la meilleure des façons possibles. 7e minute, Abed lance l'homme de la soirée, Loïs Diony. Il est lancé en profondeur, il s'en va en face à face avec Costil. Il frappe, elle est touchée, elle est au fond, on s'en fout. 1-0, 8 minutes de jeu, les gars. Ça commence bien. Surtout que, à la 18e minute, Balmont lance Diony sur le côté, qui s'en va mettre l'arme ultime au football, le centre en retrait pour... C'était qui? Marié au point de pénalty, qui s'en va loger ce ballon sous la barre transversale. 2-0, 20 minutes de jeu. Impeccable, les gars. Qu'est-ce qu'on était bien. On était bien, ça chantait. 2-0, t'es soulagé. C'était bandant. Oh, c'était bandant. C'était magnifique. Surtout qu'on n'a pas été acquitté par les Rennais. Hein. NTP et compagnie, hein. On les a pas vus. Baptiste, qui n'a eu pas forcément, on va dire, grand-chose à faire, mais qui a été présent pour bloquer, pour dévier. Voilà, du Baptiste Rennais. Je suis content d'avoir ce gardien avec nous, moi, je te le dis franchement. Et qu'est-ce qui nous manquait? Il nous manquait quoi? Un troisième but. Eh ouais, les gars. Qui c'est qui est rentré? Bella. Il répondait au nom de Bella. Il est rentré sur le côté gauche. Il file à toute allure. Il prend la défense de vitesse. Cours, Bella, cours! Il centre au deuxième poteau pour notre homme du match. Notre homme de la soirée. Troisième but, 78e. Magnifique. Soirée en apothéose. La Ola a envahi Gaston Gérard. Un soir de fête, un soir comme on les aime. C'était sublime. Maintenant, on va pas s'enflammer. Hein, 3 points, c'est fait. Deuxième victoire de la saison. Maintenant, moi ce que j'espère, et c'est que mon avis, je pense qu'il y a une équipe type qui se dégage. L'équipe qui était, je pense, en place hier. Et j'espère que notre ami Dalloglio, au retour de Tavares, eh ben j'espère qu'il va nous mettre sur le banc. C'est mon avis. Tavares sur le banc, il laisse l'équipe qui est en place. Et il nous attaque les matchs comme ça. On sera bien. Parce que je te dis, Diony, homme du match, oui. Passe décisive, 2 buts, je peux pas dire autrement. Mais tout le monde a bien joué. Tout le monde a bien joué. C'est ça qui est beau. C'est qu'on a vu une belle équipe. Ça s'encourageait. Samaritano. Tout le monde était bien. Le public était bien. Même si au final, on va dire, on n'a pas vu les Rennais. Oui et non. Parce que, au niveau possession, ils ont quand même 59 à la fin du match. On a 41. Voilà, on a un tir cadré en plus, voilà, 5 contre 4.
Voilà, le réalisme était chez nous, la chance était peut-être chez nous ce soir, mais on va pas se faire couillonner à tous les matchs, on va pas taper les poteaux à chaque fois, hein. Hier c'était les Rennais qui ont tapé un coup de poteau, à un moment donné il y en a ras-le-bol, on est là, on veut gagner des points, on est bien. Voilà les gars, et c'est ça qui nous fait plaisir, c'est pour ça qu'on va au stade, on va pas au stade pour s'asseoir comme des cons à regarder le match, non on y va pour vibrer, on y va pour frissonner, on y va pour bander les gars, et oui, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime dans le foot, c'est comme ça les gars. Bon, maintenant on va pas s'enflammer, on va attendre le prochain match, samedi à la maison, contre la Payade, et oui, le Montpellier de Loulou, il vient à Dijon. Eh ben, on va voir ce que ça va donner, en espérant enchaîner une deuxième victoire consécutive cette année. Voilà les gars, surtout, on continue, hein les gars, on lâche rien. Partagez les vidéos, faites tourner les gars. Petite dédicace à Mike, bonne soirée mon gars. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao les gars.